Ah, Waouh! en fait, on attend juste un nouveau bateau, quoi. Et on va pouvoir se refaire la Oh fable, quel plaisir. non! On a tourné la tête, regarde la gueule du bateau, quoi! Désolé, petit bateau! Je pense Il qu'il a prend droit du à son temps, petit morceau de musique. là. Au pire, mon équipage s'aborder, oui. Voilà, et un peu vite. Ah oui. Mon équipage. Mais du coup, je sais pas si on va Maître avoir. Offert. Maître Offert Pardy, oui. Dans le bateau actuel, ouais. Ça le fait. Mais vous êtes sadique en fait. Je sais pas si. Enfin, je pensais que j'étais un ami. Voilà, c'est bon. Il manque plus qu'une voix pour s'aborder le navire. Non, c'est bon, ah. Il est en train de couler. Non, normalement à deux, c'est bon. Dommage. Mais du coup, ça fait qu'on va être TP, on va devoir recliquer sur la. Sur la fable. Bah non, c'est bon, on l'a voté normalement. Normalement, on n'a plus qu'à aller en milieu de map. Bah le capitaine. On a perdu notre bateau, c'est vachement triste. Rendez-vous compte, on s'en était servi au moins 3 fois. Non, même pas 2 fois. Là-bas. L'aventure! Avant que l'eau soit bouillante. Vite! Et là, petit tremblement de terre, cratère, un boule de feu. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes là! Oh oui, tu as utilisé son sabre, ouais. Bah ouais, en plus, je suis parti après vous. Oh non, t'es. Et en plus, il juge. Oh ouais, putain! À l'aide! Oh putain! Oh non! Oh non! J'ai popé sur un geyser, vous aussi, non? Non! J'étais à deux doigts. Attendez, est-ce qu'il y a moyen de trouver un peu de loot là, vite fait? Je suis un loot. C'est quoi je cette vois... merde là? Non, mais un peu de loot, on s'en fout, on ira chercher du loot. Ouais, non, j'arrive hein. Ah, pas. J'arrive. Ok, c'est bon. Attends, bon, Knarf! Vous pouvez vous en aller. Ah, mais c'est bon, les voiles elles sont pas sorties! Ouais, ouais. On s'en fout. Les voiles il elles sont pas sorti sorties! Les voiles! Les salauds! Y'a où ils se barrent sans toi, hein, moi je balance! J'avoue, hein. Et alors? C'est quoi le problème? Y'a un problème! Hop, je vous laisse gérer la barre, moi je vais roulax, maclopax. Très bien. Allez, on va se mettre dans le vent, hein. Tant qu'on me dit pas où aller, moi je me reste sous le vent. Là, c'est là où il y a le gros truc vert, tu peux pas le louper. Ah ouais. Oh le bâtard. Je vois plus rien, c'est dégueulasse. Sans moi, salaud. Ah c'est dégueulasse. Tu sais c'est quoi le plus drôle? C'est que j'ai vomi sur Pardy, l'autre. Le singe et du coup il m'a remis dessus tout de suite. C'était par contre j'ai la lanterne qui est à thème. Ah non on a plus la lanterne à thème. Ah non. Je suis une déception. Tu veux pas me régler les voiles pour qu'on soit dans le vent là? Non moi je pourrais faire ça ouais. Histoire qu'on aille un peu plus vite t'as vu? Je sais pas si je veux dire quand est-ce que t'as ajusté. Je sais même pas quand est-ce qu'on est dans le vent, là on a l'air d'être dans le vent. Okay. Je sais même plus comment on joue au jeu. Hein. Ah ouais, c'est. Je trouvais le jeu. Ah, tiens, mais on connaît cet avant-poste. Il prendrait bien un peu de musique avec ça dessus. Nel, tu pêches pas? Ah bon? Nel, tu pêches pas? Oh, y'a un rat sur le bateau! Trop bien! Il y a un plus mal sur le bateau. Et moi franchement je t'avoue je suis chaud pour continuer les fables hein. Si vous êtes chaud
Moi je t'avoue, là j'ai la nuit, hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Moi je suis censé avoir cours de je ne sais quoi, marketing ou un truc comme ça. Ça va, hein? Ah, mais frérot, tu t'es lancé dans Sea of Thieves, tu sais dans quoi tu t'es lancé, hein. Ouais. C'est toi qui me l'as dit, hein. Et toi, arrête de faire la Fatima, là. Hop, re. Bonsoir. Si, 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 y'a moi. C'est juste que je vois pas, je voyais pas où, où je devais aller, j'ai les voiles dans le nez. Ah, la pointe. T'as réglé ta voile, non? Ok, donc dans la première partie, donc la première partie qu'on a faite, on peut trouver le journal 1, 2, 3, 4 et 5. Bah du coup on va tous les refaire tranquille, hein. Ouais, et on va faire au passage le truc avec la taverne. Je crois que le truc avec Pardy, c'est qu'il sait pas aller droit. Les journaux Monkey, ouais c'est ça, c'est un easter egg de Monkey Island. Ok, je l'ai sous les yeux. Ouais. Ah, au fait, je vous ai pas dit, hein. Vous pouvez dire bonjour à YouTube. Bonjour, oh, YouTube. Bonjour YouTube. YouTube, ce sera comme d'habitude les épisodes de Sea of Thieves, 8 ou 9 heures, avec moi qui joue de la musique tout le long. Voilà, rien à voir. Pareil. Bah merci le capitaine, quoi. Bah super. Pardy, 3 à droite. Pas assez à gauche. T'arrives à voir un peu ou quoi? No, oui et non. Ok, tombe pas plus. Nickel, tu gères ma poule, c'est tout droit. Ouais, t'inquiète, hein. On était loin et tout, mais c'est le temps de maxer. Nickel. Est-ce que j'ai sorti par vous? Oui, c'est bon, il est là. Ok, nickel. Allons-y. Il a filé quoi comme nom, celui-là? Un banana split? Non. Et bananoké. Bananoké, ok. Est-ce que c'est une banane? Un perroquet. Banane, ok. À l'aide. Plus de perroquets. Oh non, on en a plus besoin et pour la vidéo, ça sera beaucoup plus beau. Le mignon. Voilà, le summum de la vidéo. Ah oui, qu'il est mignon. Un gros choc. Elle s'arrête parce que c'est un Dark Sasuke. Bon, on va sortir le vrai. Pas... Tu l'as même pas rename ton Shiba? Bah non, il s'appelle juste Shiba. Ah si, hein, c'est ma peluche. Ah vite les pigeons. Hein. He come seek an adventure and salty old pirates, eh? Qu'est-ce que... Sure you've come to the proper place. Mais j'ai cru que c'était un... Alors attends, parce que c'est terrible. J'ai vraiment cru, du fond de mon cœur, que c'était un petit bébé cheval
quelqu'un. Mais non, c'est un toutou. Mais oui, c'est ma peluche. Bien sûr. Trop marrant. Ah, on avait des marins qui pionçaient en bas. C'est rigolo ça. Bon, sinon, on sort le perroquet, bien sûr. Bien sûr, le capitaine du navire. Je pense que je vais garder sa roue. Vas-y. Ça fait un moment que je l'ai pas sorti. Dommage que ce soit pas un perroquet noir qui dise au point de. Au point de. Ou Tu vois. Sa roue, si tu jamais vois. Tu vois cette vidéo, sache que personne ne t'aime. Hommage à toi. Big up à toi. On t'embrasse. Non. Sur les 4 joues. Ah ouais. Non, toujours entre les deux. Moi je suis pas compté. Bah c'est Saru, c'est la famille, c'est les 4 joues. C'est les 4 joues. Bah ouais. Lisa n'a fait jamais la bise à personne. Vraiment, j'ai pas entendu 4 joues, j'ai entendu 4 joues. Gadjou. À l'aide. Bon, toi je peux te fermer. On n'oublie pas tout droit, il y a un caillou. Oui, tout à fait. On l'a refait. Il y a quelqu'un là-bas ou pas? Vous voyez pas. Pas tourner pour aller sur un autre caillou. Manger. J'ai l'impression de partir à la barre, c'est comme Robin. On peut nous faire un Robin quand même là-haut. Hop, avant de partir, on remplit. Hop, la chope. Et... un peu tôt ça. J'avoue. C'est un peu très très tôt. J'ai trompé d'intersection. Ah. Enfin, je crois. En fait, j'en sais rien. En fait, ça y est, je suis perdu. Oh. Ah, ça y est, je suis du père. Pardi qui me suit comme un sbire. Ah bon. Oi, oi, oi. C'est juste au bout de l'épave tout droit, là. C'est un effort. Alors. T'as pas sonné la cloche? Non. Non, si on se promène sur le navire. Burn bright a cursed light upon tales of old and ill deeds long past. On va en se reposer. Y'a rien dans la grotte, that's fine. Une porte. Celui d'en haut au bout.
Tac 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 tac. Allez, m'en parle pas, mais qu'est-ce qu'il parle, hein? C'est mort. Qu'est-ce qu'il cause pour un mort? Je vais le faire, hein. Alors, ils connaissent pas la définition du mot. Possible aussi. Stylé cette scène. Dead man tells no tale. Oh non, faut sauter. C'était sûr en fait. Il a trouvé une poigne de rame. Il a pas voulu sauter. Voilà, c'est une déception. Encore. Je vais le refaire 25 fois, c'est parti. Ah, ça rigole, hein. Mais ça fait pas mieux, hein. Mais y a un clou qui m'empêche de sauter. Il y a une planche qui m'empêche de sauter. Ah oui, je me suis pris le rebord de planche à la con, là. Oh, terrible. À partir de là, faut attendre par vous. Il a fait la même. Ouais, ça va. Pour l'instant depuis le début. On l'entend presque pas, t'es parti loin, allô? Ah justement, c'était ça que j'étais parti régler. Ah. Ah d'accord. Voilà, donc là normalement ça devrait être mieux je pense. Peut-être. Ouais. Non, vas-y cause pour voir. Oui, bonsoir. Ouais non c'est pire qu'avant, là on l'entend là, c'est chiant. Ah. C'est ce que je me disais. Il faut sauter tout le temps, c'est on adore Fortnite. Mec, c'est trop bien. Bien jeu, c'est trop bien. Dans l'espace. Perhaps he knows too much. He's seen the cursed treasure. You know where it be in. Now proceed at your own risk. These be the last friendly words you'll hear. You may not try to pass this way again. Oh, man. Branche du speedrun. Non mais je me fais carmater à chaque fois que je rigole, mais c'est bon. Pfff.
elle a pas voulu sauter. J'ai mis la même tenue partie. À l'aide. Oh les mongols. Ah ouais. Hyper vitesse. Oh, mais... Ah ça va m'énerver. Oh, qu'est-ce que c'est agréable de faire une fable en solo. C'est vrai que je suis pas tout seul, j'ai un perroquet. Saute. Et sinon, porte. Il va y avoir un truc technique à faire. Ah. Ah oui, fallait attendre. C'est vrai que c'est un truc technique. Oui. J'ai fait retomber. T'es sérieuse? J'ai failli. Ah oh, tu m'as fait peur. Oh là. On a encore eu la chance. Quoi? Ah non, moi aussi j'ai failli béton là, mais de très haut cette fois-ci. Ça. Ouais, gauche. L'autre gauche. Attendez, on peut peut-être faire le truc de Monkey Island. Oui, mais il nous faut pas un crâne d'abord. Alors, non, pour un Monkey Island, non. Ok. Alors, tu. On suit ses tonnes de rôle, hein. Du village, là où vous êtes arrivé. Vous y verrez des flambeaux allumés, dirigez-vous vers le pont autrefois inaccessible. Ce dernier était. Il y a une mention possible, pourquoi? Pourquoi il est accessible? Non, il n'était pas accessible. Apparemment, quand on a la chaloupe, on a accès au truc de Monkey Island, mais tout à l'heure, on n'avait pas accès. Ça, j'en sais rien. Alors, la poulette. Non, c'est peut-être si on a terminé le truc avec la taverne aussi. Allez, parcours. Ouais, bouquin surtout. Alors, les bouquins. Donc, le premier journal se trouve près d'un mât cassé. Près d'un mât cassé, ils sont aussi vagues que ça, là. Ouais. Il y en a un à gauche, là. Comment ça, il y en a un à gauche? Alors, le second se trouve près d'un autre mât, le troisième se trouve à côté d'un gouvernail. Mais parti, tu vas où? T'es parti où? Bah là, il y a un mât cassé ici, frérot. Mais oui, mais celui-là, on l'a déjà, c'est celui qui se trouve derrière, là. En fait, c'est quand tu tombes par là, c'est là où t'étais caché, toi. Non, c'est pas ça? Parce que moi, j'ai les images. D'accord. Ouais. D'accord. Je pense qu'on attend Nel. Bah, moi, je suis derrière Nel, en fait. Ah. Vous me dites s'il y a besoin que je vous rejoigne, mais je crois pas. Mais je pense qu'il y a rien à cet étage-là. Il va la fermer, lui, là-bas. Parce que là, ici, il faut trouver la clé, là. Oui, c'est vrai que c'est qu'une sortie. Il faut, faut qu'on y accède forcément par l'autre côté. Now that's not a gap ye'll cross, lessen ye grow some wings. But ye mustn't give up. Ye see, I happens to know of a way to call the ferryman. Ça devrait être bon là, je pense. Encore un peu. Here we are. Now, ye just need to lower me cage. Very, very. Dégage. Parle trop. Merci. Merci. Bah, je viens de te voir sauter, Bah oui, parce qu'il est descendu. Il n'y a pas un livre ici à cet étage avant qu'on se suicide. Rien.
Pour trouver les deux autres journaux, vous devez récupérer la petite statue à côté du gouvernail de Cassandra. Le gouvernail cassé, il y en a un là. Moi je suis revenu là où il y a le gars, le squelette là. Tu vois, gouvernail cassé, il y en a un ici là. Tu vois, genre sur la gauche ici là, sur la table, il y a un livre. Mais après. Après, un gouvernail cassé, il y en a un autre par. Là, ici, celui-là derrière là. Oh nice. By Hades burning beard, ye found the key. Well, that's the way. I'd been fearful that the lock might have rusted after all this time. Being that I'm unable to provide my own means of locomotion, ye'll have to carry me and make sure your hands are clean. I don't want fingerprints all over me skull. Que si vous voulez, je peux vous envoyer le travail. Ouais, au pire. Sweet freedom. Ah, it feels good to see. Ah, je peux pas croire. Ah, si, là. All these years I've spent wondering what happened to me town. Oh. J'en vois. We've a long journey ahead. And I've yet to find me sea legs. So you get about the walking. I'll take care of the talk. Let's start by heading for the old lighthouse. Or perhaps they'd rather me take ye on the grand tour of me fallen kingdom. Who knows? There may still be plunder to find. J'ai la marque sur la carte. Ah, nice. Ben ça y est, moi j'ai déterré le squelette. Bougez pas. Attends, il me parle de sa lutte avant chaîne là au coin. Après son animation, vous allez devoir partir à la recherche de son trésor pour se faire rejoindre. Entrez à l'intérieur et vous trouverez une cabine de capitaine avec un squelette dans un lit. Il va falloir éclairer cette pièce pour se faire monter à l'étage et vous devez allumer trois lanternes à l'intérieur. C'est le fantôme qu'on a vu, enfin, c'est le squelette qu'on avait tout à l'heure. Du coup, j'ai pas vu le vieux Doogie, mais non. T'as pas vu le vieux Doogie? Bon. De toute façon, on va retourner le voir. Il est déterré? Mmh. Ouais, ouais, je l'ai déterré, vas-y, viens. Et il y a... Tiens, je te laisse avec le capitaine à côté. Ah, attends, je peux le mettre dans le sol non plus. Tiens, voilà. Deviens une lanterne, toi. Voilà, fous-moi la paix. T'as besoin du crâne du capitaine ou pas? Oui, pour aller dans la taverne. Ok. Ah bah du coup, du tu vas reprendre. Ouais. Je t'ai allé dans la taverne avec lui, mais bon. Bah attendez. Faut aller à l'étage. Attendez, mais il y a d'autres choses à faire avec le vieux. Il y a d'autres choses à faire avant, c'est pour ça. Oui, il y a d'autres choses. Elle est où la jeune fille? Là, je suis en train de poursuivre avec le mec qui est dans son lit. Qu'est-ce que tu poursuis? Oui, c'est vrai, je suis con. Donc, Nel, je t'ai vu par là. Je viens de voir Knarfang courir comme un fou.
Moi, j'ai trouvé Perruquet, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Bah, reviens sur tes pas là, on est là ici. Okay. Mais il faut juste accéder à l'autre endroit où est Nel et c'est un peu plus compliqué d'accès. Bah non, pas du tout. Mais hein, les gars, derrière vous. De quoi derrière toi? Bah, elle est là. Ah oui, chercher à prendre une tyrolienne, un canon, deux cordes, enfin bref. Donc là, j'ai coupé ici, du coup il y a juste... Si vous regardez sur la carte, on peut voir la croix, là où il y a le coffre. Excellent. Ah. Qui est donc là, à côté taverne, d'une des épaves. C'est devant la taverne. Let's go. On rush. On rush le devant de taverne. Excellent. Need your hands free. I understand. C'est pas là. Il a laissé l'autre dans le sable. C'est pas là. N'hésitez pas à creuser aussi, non. Tu veux que je retourne voir peut-être? Voilà. Pardon. Ensuite, faut rapporter le coffre au Doogie. Oh, le Doog. Ah oui, parce qu'il y a après, il y a la petite planque de ceux-là avec une bière. Ah, attends, je vais leur allumer une bougie, ceux-là. Eh, mais tiens, il y a une clé ici, d'ailleurs, sur leur table. Ouais, je pense qu'il faut leur servir une bière et ils vont nous lâcher la clé qui va ouvrir la cage où il y a le rhum. Allons, la porte avec le trésor. Allons voir Doogie. Avec le capitaine, bien sûr. Alors, voyez-vous, j'ai un capitaine avec moi. J'espère que vous trimballerez pas mon crâne comme ça quand je serai mort. Non, on s'en servira comme tasse. Par contre, j'espère que vous penserez à enterrer Pardy. Ouais. The Crivens. That's Dougie's treasure, sure enough. Oh, what a glorious day. Let's see if my key still fits, and then we'll share what's inside. Let's go! Quelqu'un déverrouille! Bah vas-y hein! Moi j'ai un crâne. Ah. Moi je veux bien mais je te file le crâne. Pose cette boîte, prends la clé, c'est plus simple. C'est plus simple de rentrer une clé dans un coffre que de rentrer un coffre dans une clé. C'est vrai. Donc, avec cette pièce d'or, vous devez vous diriger vers une nouvelle étape située à côté de la taverne. Allez à l'arrière de l'épave et vous pourrez découvrir une nouvelle zone où deux squelettes s'affrontent aux échecs. Bah c'est ça, oui, c'est les deux gadgets qu'on a vus là. Ouais, c'est ça. Donc vous devez y allumer la bougie, déposer quelque part la pièce spéciale pour la récupérer un peu plus tard. En effet, on vous demande ici une recette. Pour trouver cette dernière, vous devez emprunter le chemin. Je vais trop loin. Où vous aviez utilisé plusieurs coups afin de bouger ce plateau. Une fois la plateforme, vous pourrez découvrir une nouvelle ouverture dans le mur. Je suis devenu bourré ou c'est comment? Hein? Donc là, la bougie a été allumée, on est d'accord. La pièce, faut la poser. Attendez, je suis bourré ou c'est comment? Vous êtes où? YouTube, il veut voir. Et moi, vu que je traîne un crâne de crétin, là, je vais pas aussi vite que vous. Bah pose-le. Mais non, mais on se balade avec, c'est notre pote quand même. Là, derrière toi. Là, derrière moi. Oui. Oui, c'est bon. Bah, faut aller c'est où bon. Mais. Faut suivre. Vous avez donné la clé aux deux gars? Ouais, ça y est, on a déposé le. Ah bah, super. Et donc, normalement, par ici. Alors. Déposer quelque part la pièce, oui, c'est bon. Pour trouver cette dernière, vous devez emprunter le chemin où vous aviez utilisé plusieurs poulies afin de bouger diverses plateformes. Une fois sur la dernière plateforme, vous pourrez découvrir une petite ouverture dans un mur de pierre où vous pourrez y aller. Cela vous permettra de rentrer dans une sorte de prison et ainsi récupérer une fille. Oui, je vous sais. Montez-moi mes poulets. Pose ce crâne. Je reprends ce crâne. C'est ici.
Donc normalement ici on doit pouvoir récupérer. Going it alone, eh? I'll try not to take offense. Je suis quand même en train de buller un crâne, c'est quand même pas très sympa. Une petite ouverture, cela vous permettra de rentrer dans une sorte de prison. Ouais, donc il y a une ouverture dans le mur. Sur la dernière plateforme. L'ouverture dans le mur, là ? Normalement, il y a une ouverture dans le mur. On doit attendre. Ah, il faudrait pas passer par le trou du dessous, là ? Là où on tombait, le bateau, tout ça, tout ça ? Ah, je suis en prison, au secours ! C'est bon, ah, c'est pas vrai. T'es rentré dedans ? GG. Ouais, bah bon. Ouais. C'était au-dessus ? Allez. Let's go. Donc ça, faut la porter aux deux audios qui sont en train de jouer aux échecs. Mais, ok. Oh, mais merde, je suis retombé. Oh là là. Vraiment. Oh mais ferme-la toi, sinon je vais t'abandonner, hein, vraiment. Comme mon équipage est en train de m'abandonner, je vais t'abandonner aussi. Hein. Bon, on va se balader entre capitaines, on va aller discuter là. Ah bah c'était ici. Du coup, tu dois ramener une petite pintasse. Ouais. That be Captain Bones for ye. Old Bones, he could never stomach his own recipes. Not much good. On devra par la suite donner la pièce d'or. Now there's an idea. How about we show them how it's done? Stick me on old Bonesy's shoulders, and I'll win the game for us. Hang it all. It's been so long, I forgot about the house rules. We'll need to find something of special value, a trinket or similar, to buy it before we can play. Il nous faut un objet de valeur. Bells and barnacles. Ah oui, la pièce. Is that the best ye can do? Well then, me rook goes to Queen's Knight 3. And that, matey, check and mate. Which means the contents of the pot be mine. Tu pars, mec, tu finis sa vie. I'll be bound it leads to treasure. Sore loser. No matter. He never could play worth spit. Let's take this key and find the ship it opens. Oui, j'ai bien fait d'emporter le crâne. Prenez la clé. Ok, non. J'emporte pas le crâne de l'eau crétin. Là où il y avait plein de choses. You still need my help to make it out of this accursed town. Alors, vous êtes déjà parti alors que moi je suis obligé de me traîner le crâne. Vas-y vite. Ah bah je peux pas, moi j'ai la clé. Moi, je vais attendre. Le truc avec de l'or, c'est tout à l'heure, de l'or. Ah, tu cherches quoi, le... La pièce La pièce qui contient du pognon ? Oui. Ouais, bah par là. Suivez le crâne. Oh là, t'es sûr de toi, Knarfang ? Certain. Parce que si t'arrives pas à nous retrouver dans une petite allez, terre... Hop. A town for pirates, built by pirates. I'm amazed it hasn't fallen to ruin. Voilà, oui, j'ai eu raison. Du pognon. Ah. Très fatigué. You better have a good reason for leaving me behind. Prenez des souillous. Bah ouais, t'inquiète hein. Prenez plus de souillous. On a besoin de thunes. Alors, ensuite. Il y a déjà presque rien à loot. En l'ouvrant, vous pourrez trouver la salle remplie de trésors, mais ce n'est pas tout, car une autre salle vous attend, et cette dernière est importante pour réaliser un nouveau secret. En effet, en y allant, vous pourrez y trouver une nouvelle poulie permettant de faire tourner le navire, les voiles du navire. Placez ces voiles comme sur... Ce qui aurait été quand même bien, c'est que tu dis sur quel site t'as piqué la soluce quand même. Puisque cela permettra de laisser de la visibilité vers un navire. De quoi ? T'as piqué la soluce sur quel site ? Ah, Sea of Thieves France. Ah, sur Sea of Thieves France. Vive la France. Yep. Donc, ici, on va pouvoir orienter les voiles de sorte à pouvoir laisser entrevoir un autre truc de feu. Notre truc. Ah oui, le phare, let's go. Donc avec le phare, on peut allumer celui-là. Ah voilà, c'était ça que j'avais vu tout à l'heure. BG, BG.
Du coup, là, c'est bon, on peut l'allumer. Ouais, normalement, on doit pouvoir l'allumer. Au cas où je reste ici, s'il y a besoin de rediriger, mais normalement, on doit pouvoir le faire. C'est bon, je peux poser l'autre crâne de cloche, on en a plus besoin. Ouais, vas-y, pose-le pour l'instant. Oui, faut qu'on aille. Ouais, faut payer les autres. Faut qu'on aille dans la tour infernale là. Salut Sarou. Ah bonsoir Sarou. Ça va Knarf? Motep ça va. Dis bonjour à ton tube. Dis bonjour. C'est ça. Bonjour ton tube. Et au revoir ton tube du coup. J'y vais. Venez vous faire plus. Je dérange pas plus. Ça y est, il déteste YouTube. Il est passé à Twitch. C'est ça. Je suis passé chez Twitch. Sache que tu es dans Sea of Thieves. Tu t'en prends un elle. Personnellement. Oui. Ah oui. Mais je m'en vais. Allez, ciao. Ciao. Continuez de filouter. C'est sur les menhirs. Ok, orientez-le vers moi. Had to be sure the ferryman wouldn't come and part me from me loot. Now, ah mais je peux pas encore. Bah attends, il est en train de causer. I might be able to help. See if you can't set me down on that headless heap of bones over there. Ah, new body at last. Not as handsome as me old one, but. Est-ce que je t'avoue, je te cherche et je te vois pas. Je vais tirer dans ta direction, pardon. Ah, si, c'est bon, je te vois. Ouais, c'est bon, les voiles elles sont bien dirigées. Hein. C'est bon, vous le voyez le truc? Ouais, moi je suis en plein dessus là. Okay. J'arrive, mon petit Knarfy. Aye, that's the way. I think it looks better in the dark. Now, to get the ferryman's attention. C'est bon, vas-y. Vanel encore. The lighthouse is good as new. The mists are clearing. Stop. Let me try and get a better view. I see sails on the horizon. Nickel. Ferry of the Dam. Excellent. Though you'll find no welcome passage on her decks. Et donc là on redescend, c'est ça? Vous avez allumé tous les autres trucs? Ouais. Il y en avait combien? 3 allumés, c'est ça? Ouais, 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 bah, ouais, bah, le bateau arrive. Ouais, 1, 2, 3, c'est bon, ils sont tous allumés. Okay. Est-ce qu'il y a le bateau qui arrive? Alors, maintenant que l'un des secrets, oui, ce n'est pas encore fini, est terminé, continuons un peu l'histoire de la fable. Prenez donc le crâne du capitaine, dirigez-vous vers la femme. The keeper took it when he ratted me out to the others and they set upon me. He shippled me a sight for sore sockets, sure enough. But this moldy old body won't last 5 minutes out there, so I'll need you to be my transport once again. At least till we reach my ship. Take me to my ship with the red sails. And I'll see you safely aboard that ferry. That's what we saw earlier. Donc, go les voiles rouges. Ok, let's go. J'ai un crâne avec une clé, du coup. Enfin, j'ai le crâne avec the clé. Ok, nickel. Donc là, voile rouge. Du coup, voile rouge, on les verrouille. T'as trouvé quelque chose au bout, là, d'ailleurs, ou pas? Finalement. J'ai pas suivi. Quelque chose au bout. Bah de la torche là que vous avez allumée. Et bah je pense que ça va nous débloquer le chemin. Tu sais, ça va nous relever le truc, okay, du chemin. D'accord. Donc, je suis. Est-ce que ça aurait pas relevé le pont de pierre?
Ouais, c'est ce que je me demande. Mais je suis le guide dans l'ordre, comme ça. Parce que moi, là, je le pose sur, si tu veux, la porte, tout ça, mais je vais pas plus loin, parce qu'après, sinon, ce sera bouclé, on pourra plus le déplacer. There's a secret nearby. I can smell it on the wind. There she is. She's golden hair. The fastest ship on the seas. By my reckoning, no one ever dare tell me different. A piece of advice. Always have a secret way back to your own ship. Et en fait, on a oublié les bouquins aussi. Hein. Les bouquins, on peut s'en occuper. Alors. Vous allez suivre le chemin afin de rejoindre la cabine du capitaine et une nouvelle fois y déposer le crâne du capitaine maudit sur un nouveau corps. Il finira par vous donner une nouvelle clé afin d'ouvrir une salle où vous pourrez trouver une chaloupe. Ne la prenez pas encore. Donc, on prend la clé, mais on ne prend pas la chaloupe. Toujours du mal avec les échelles, hein. C'est compliqué les échelles ? Est-ce que c'est un élément technique ? Sorry, Captain. Et qui pour moi ? We just got carried away. We didn't mean nothing by it. I said we never should have mutinied. Good to have you back, Cap. Donc au pire, la clé, on peut la laisser sur la table. Non, la clé, on l'a dans le bras. Sure, I used to be taller than this. This key lets you through the side door in the cabin. For here is where we be parting ways. Ensuite, on va s'occuper. There's a rowboat over yonder that'll carry you onto the ferry. Quiet as a church mouse. But I wonder, do ye really know what's waiting for ye below her decks? Not all treasure is silver and gold. Me crew are free, and me conscience is clear. But I've still plenty of thinking to do. Perhaps one day we'll meet again. Now take the key and be off with ye before ye find yourself trapped here for good. Ye've made an old sea dog happy today. Watch where he step. Voilà. The treasure will curse me. May still be lying about. Donc le pont s'est bien levé, hein, je suis devant. Ok, c'est bien ça. Donc, je fais demi-tour. À gauche. Ah oui, je pense trop. Ok. Donc là, on devrait trouver l'Easter Eggs de Monkey Island. Waouh. Donc ici, vous pouvez trouver 5 journaux Monkey. C'est ça. Donc, le premier se trouve proche du macassé. Avec la reprise du thème. Ouais. À gauche du macassé, c'est bon à trouver. Ouais. Le second se trouve posé sur un autre mât. Sur un autre mât. Mais il raconte vraiment avec Guy Wash et tout, vraiment toutes les histoires. Ouais, c'est excellent. Et franchement, si jamais un jour tu veux refaire cette fable juste pour lire, c'est un délire. Là, hein, Parzi, là où je suis. Le troisième se trouve proche du gouvernail. Voilà. Le quatrième journal se trouve dans l'épave où se trouve le capitaine dans le lit. Ok. Et enfin le cinquième, vers les deux squelettes jouant aux échecs. Et après vous aurez trouvé tous les livres de Monkey Island. Qui sont normalement les 5 derniers qui vont manquer si jamais vous en avez déjà 5. J'ai ouvert la cabine du capitaine puisque je trouvais la clé sur le barreur. Ok.
Moi j'en ai 9. Oh, ici. Il y en a dans la bibliothèque. Ouais, dans la bibliothèque. Ah, bien vu, j'ai même pas fait attention. Excellent. Dans la bibliothèque. J'ai envie de dire, hein, si les gens veulent savoir de quoi on parle, il y a un let's play de Bob Lennon absolument incroyable. Ah voilà. Oh, oui. Ah, mais si, je l'ai lu celui-là. Il y en a un dans la bibliothèque à côté. Et d'ailleurs, là, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est de là qu'il tire son crâne de. Là. C'est de là qu'il tire donc son crâne de Skyrim. Oui. Le caca, caca, caca. Voilà, le petit historique, c'est long. Franchement, en vrai, pour les autres fables, pour l'instant, j'en sais rien, mais pour celle-là, il y a un soin qui est apporté, ça fait plaisir. Ouais. Et j'avoue que c'est beau. Ensuite, c'est la fin de la fable, comme nous, on l'a vu avec Jack. Eh bien, allons nous friter. Donc, nous avons fait tous les secrets ici. Nous sommes tout bons. On va repartir au top encore. Et voilà tout de suite, merci de nous avoir suivis pour ces folles aventures de Sirsis. Pour plus d'un épisode court, il faut bien. L'épisode sera très long, et puis c'est tout. Mais sinon, allez-vous-en et désabonnez-vous. Non, mais ça y est, on a atteint les 400 abonnés au bout de 8 ans, c'est inadmissible. En même temps, niveau activité sur ta chaîne, c'est trop. Quoi? Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de best-of. Ça c'est clair, mais en même temps c'est tellement le truc qui me rend malade. Hein. Même pour des designs ou quoi, pour ta chaîne, tu pourrais me demander. Ça va l'autre. Suffit là. Ouais, je me casse. Il se bat. Il est en train de gaspiller notre trésor. Tu sais qu'on a looté que ça. Il y a un rocher, Parzi. Ah, c'est toi qui conduis. Hein. Oui, bah moi je regarde Nel. Je peux tout faire. Je te regarde faire le con. Bah vas-y, lâche mon bâton YouTube. Hein. C'est pas bon. À gauche. Ouais, d'accord. Heureusement, je connais la bonne gauche. Hop, tout droit. Peu à droite. Ah, encore un peu à droite. J'ai un petit souci de piercing. Voilà, parfait. Ah. Excellent. Ah. Ça valait le courir pour ça. Parfait. T'as ma chute? Oui, c'était trop bien. Nice, c'est le. Excellent. Rien que pour ça, ça valait le coup. T'aurais pas pu nous amarrer aussi, faut dire, pauvre cloche. Bah j'ai essayé, mais il m'a fait tomber. Il est arrivé trop vite, le monsieur. Yo ho ho. Est-ce qu'on va rentrer dans la boucle infernale où maintenant je vais dépasser le navire, c'est ça? Ah ouais. Et on fait tout le tour, c'est ça? Ah ouais. C'est vraiment ça notre vie. T'as pas une échelle? Non. On va essayer de retourner de l'autre côté maintenant. Au point où t'en es, peut-être que t'y arriveras bien. Alors par contre, je tiens à préciser qu'en vidéo, on a l'impression que... voilà. Merci. Eh, c'est pas cool pendant que je suis en train d'essayer de remettre mon piercing, là. On a en presque envie de demander lequel. Tu préfères quel côté, Nel? Excuse-moi, mais... Je le prie. Et si tu poses la question, non, c'est celui de la joue gauche. Ah. Qui s'est fait la malle. Doucement. Voilà, vas-y, non, maintenant, aligne tout même, doucement. Non, aligne tout droit. Mais vous voulez pas accrocher le bateau en fait, c'est ça l'histoire. Mais en fait. Tu vas trop vite. Moi, au moment où j'ai cliqué sur R, ça m'a glitch. Ah oui, bah là, moi, je suis un peu glitch. Super repoussé.
Du coup, j'ai perdu un poulet. Bah ouais. Voilà, le cœur de l'épisode. Comme quoi, j'aurais mieux fait de jouer de la musique. Ah ouais, attends, vous êtes... Ah non, en vrai, ça va. Quoi, ça veut dire, tu veux que ce soit moi qui conduise le... la chaloupe, là? Moi, je suis capitaine, hein, tu sais, hein, je suis bon qu'à donner des ordres. Oh là là, quel délai. Tu fais que déléguer, toi, en vrai. On m'a parlé, on t'attend. Moi j'arrive j'arrive. Ah oh ouais, on t'attend. Ouais. Have learned the price of breaking the pirate code. Ouais, bah c'est you have suffered under the weight of chains forged by your own misdeeds. And now your ah ouais, time fort descendre la chaloupe là. Though you shall not fully remember. Bah parce que je peux pas monter sinon. Parce que c'est vraiment gênant. Bah ouais. Some remnant of understanding will accompany you when you step through my portal and return to the living world. Alors, j'aimerais bien. For now. Ah. Alors, must elle ment. Sail and quickly. For voilà. Now patrol these endless waters. And ours. Moi je te laisse en galère. Moi j'ai s'asseoir. Et là, ah, c'est bon, je suis monté. Ouais, pas cette espèce de lâcheur. C'est grâce à moi que t'es sur le bateau. Hein. Ouais, on avait attendu à la chaloupe, on devrait attendre 3 jours. Hein. Alors, lui, par contre, c'est un barreur de qualité, regardez-moi. Il y a un mauvais virage, pleine voile, sans tourner la barre. Beau ou pas? C'est ça le talent, pardi. Il est où? Tu as vraiment beau fusil. Il est beau mon fusil. Il est beau. Mais j'ai mieux. Bah, tu m'étonnes. J'ai celui avec la bouteille wow. De rhum. Qui est ah trop ouais. Goldé, évidemment. Elle est trop goldé, regarde. Trop goldé. Nice le. Get the bar. Come to Jack and get the bar. Ah oui, on va aller chercher le Jack. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié lui. T'as oublié de le dire pour ton tube là. On a retrouvé son Johnny Depp, ça va mieux. Ouais. Mais j'ai toujours pas remis mon verre. Il libère le papy de Tony. When endeavoring an escape, silence is generally best. However, as I've had no one but a recalcitrant mutt to talk to for far too long. I shall bow to my collegial nature and introduce myself. I'm Captain Jack Sparrow. Though, since you came here to rescue me, you probably knew that already. And you must have heard tell of my heroic journey to acquire this greatest pirate treasure of all. A golden key to other lands, an eternal freedom, plundered from the lair of a heartless squid and used to assist in the daring escape that led me to stand before you. You know, I haven't had so much as a crumb to eat since I got here. Not completely sure where here is exactly, but it's sorely lacking in dinner options. I'm a shadow of my former self. Then again, the captain seems a dreary sort of fellow. Probably enjoys dried biscuits. Wouldn't even tell me how I came to be aboard this sad little ship. The last thing I remember was standing at the helm of the Pearl as we made our escape. Suddenly, there was a loud, booming, cannonballing sort of noise. Cannonball, perhaps. Ah, ça y est. The scenery's not very inspiring, but it's good to stretch me legs. Now, let's get off this ship before... Stay where you are! That happens. You
from the living world. Why have you interfered with my work? This barrel has brought catastrophe in his wake. Dire fortune that now threatens to consume the Sea of Thieves itself. Let's captain Jack Sparrow. And I think you may be overreacting just a smidge. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now, I can see you're very busy, grumpy, so we'll just be on our way. Silence! And you shall be to yourself. And this time, the key shall be cast overboard into the abyss. What you possess must never be perfect and sweet. Les gars, oh fini la canne. We must fight. To arms. Steady, mate. That's the Flying Dutchman we're talking about. She's no ordinary ship. Then upon the waves of my domain, she will find herself well matched. Play your part, pirates. The cannons stand ready. Unleash the fury of the dead upon this interloper, that we might put an end to calamity before it begins. I believe that means he'd like us to use the guns. Moi je l'ai pas en ligne de mire. J'ai quand même le temps de lui mettre un petit boulet. Mais j'ai vu, j'ai fait bien jouer. Là tu lui as fait un petit impact à l'arrière là. Attends. Oh, oh, je vais utiliser ma stratégie de l'aquardise. Allez-y. En fait.
Où est mon healer? Vite! Merci. J'avoue, viens filmer la bataille. Je fais que ça. Je filme une bataille. Des billes. Quand tu attaques des billes, c'est plutôt des calots. Non. Ça va, capitaine, tu profites de la bagarre? Bah, c'est vous qui m'avez demandé de filmer ça, hein. Je suis pas sûr que YouTube soit très passionné. Mais ça a au moins un style avec l'espèce de lune au soleil caché par la lune, comme tu veux. Oh, une gueule, ça. Non mais comme ça, ça permet de mettre une petite pause. Ah, ça fait, ça fait des gros bouts. Ça fait des gros bouts. Mais je crois qu'il y en a encore 2 ou 3 d'affilée. J'espère que même tu mettras un pouce bleu dans un commentaire. C'est dans la peau. Non plus. Oh, mais ça touche pas, ça. Allez, prends tes affaires, rentre chez toi. L'aider en lui tirant dessus. Change course, change course. After that treasure, I gave him my word. Ah, visiblement, il a donné sa parole à quelqu'un. Intéressant. Là, j'ai au moins bousillé ton orgue, hein. Au moins. Et tout le vitrail qui était derrière. Hein. Allez, terminé. Bim, dans les dents. Voilà, c'est tendu le vieux.
Ils ont plein de munitions, c'est important. Did you not heed my warning? Now Sparrow is lost, and our enemy has the treasure in his grasp to fulfill his dark ambitions and lay siege to the Sea of Thieves. Already his plans are in motion. Il se passe des choses dans cette vidéo interview de 2018. Il y a une femme qui s'est posée sur le bout de la barre avec le monsieur qui lui fait des choses là. Âme sensible, là, qui t'aimait. Heureusement, il est transparent, du coup, il se passe rien. Il est indéconcentrable, le gars. D'ailleurs, vas-y, on se montre truc. Qui s'est posé, qui se pose de nous. Et vrai. Et le sbire, hein. Ah, le sbire, il est focus sur une tâche extrêmement importante qui est le vide de son cerveau. Ah, on a pris que 8000 balles. Ouais, cette fois. Trop naze. Bon, on s'est fait, mais on s'est pris 20000 balles en faisant la balade. Ouais, c'est bon. Oh, oh. Rien, c'est joli. Attendez. Je le faisais déjà derrière toi. Le long doigt, c'est ça? Oui. Non. C'est dangereux ce que tu fais, Pardi, là. Flèche à celui-là. Dégage. Pigeon, t'es mort. Ah oui, vite changer toutes les lanternes en mode spectral. Vite. On n'est plus la flamme. Ça m'étonnerait qu'on aille où que ce soit avec les voiles remontées. Enfin, les voiles. Le genre de rideau là. Elles sont pas remontées, elles sont à demi-voile. Oui, celle de derrière. Allez. Et voilà, c'était la première fable de Pipe et Jambon de Bois. Qu'est-ce que Mister MV il aimerait la faire, cette quête? C'est incroyable. Moi, je vais peut-être faire une pause pour aller manger, et je reviens après. Ah. On est pas bon pour longtemps. Est-ce que tu oserais mettre fin à la vidéo? Incroyable. Non, moi je vous laisse continuer, je suis là dans... Allez. 7 minutes. Ah oui, carrément. Ouais. Vitesse de consommation alimentaire d'adolescent. Non. Allez, à toutes. À toutes. À toutes, YouTube. Des bisous et à l'année prochaine.